En 1995, Roland présente au monde pour la première fois un produit de modélisation pour guitare. Le légendaire VG8 changea à jamais l'univers des processeurs guitare. Même si d'innombrables produits basés sur la modélisation ont vu le jour depuis, les systèmes V-Guitar Roland restent toujours la référence indiscutable en matière de flexibilité. Non seulement des modélisations d'amplificateurs et d'effets, mais aussi de guitares et d'instruments apparentés. Accordage alternatif, contrôle en temps réel de presque tous les paramètres, une masse de programmes. Le traitement de guitare vient de subir une nouvelle révolution. Bienvenue au Roland VG99, le processeur de guitare le plus puissant et le plus avancé jamais développé. En voici les fonctions clés. Deux chaînes de signaux Cosmos stéréo. Le VG99 permet simultanément de jouer sur deux guitares, d'utiliser deux amplificateurs et des dizaines d'effets, et bien plus encore. Presque 50 modèles d'ampli et des centaines d'effets disponibles par canal. Les circuits de transposition polyphonique permettent de choisir librement l'accordage. Deux nouveautés pour le traitement sonore en temps réel. Un contrôleur D-Beam et un ruban de contrôle. Conversion des signaux de votre guitare en commande MIDI pour piloter des claviers, des modules et même des synthés logiciels depuis le VG99. Port USB pour l'audio et le MIDI, ainsi qu'un éditeur très convivial pour l'intégration du VG dans un système informatisé et l'enregistrement avec votre ordinateur. 400 mémoires internes, prise XLR, jack, USB, sortie SPDIF numérique, MIDI out et bien plus encore. Voici un aperçu des fonctions les plus marquantes du VG99 Roland. Le VG99 propose des modèles Composite Object Sound Modeling, ou COSM, de guitares électriques célèbres, des Strat et Tele, des Les Paul avec micro humbucker ou P90, une Dan Electro avec micro lipstick, une 335, la fameuse guitare L4 Jazzbox et bien d'autres encore. Écoutons le rendu de quelques-uns de ces modèles. We'll be right back.
Le VG99 contient aussi des modèles de guitare acoustique. Une D28, une J45, une B25 et une D40. Sans oublier les sitars, les guitares nylon, un vieux dobro et autres banjos. Quelques exemples de ces sons surprenants. Le VG99 modélise deux basses Fender, une Précision et une Jazz Bass. Écoutons-en quelques notes.